Eh bien... Non! Non! Au moment où je lance mon record, ça copie! Non! Non! Je suis en PLS, en plus il joue trop bien, et ça fait... c'est rare de voir un Inutrof en combat, je suis en PLS... Non! Je suis sûr que c'est lui qui a coupé... Open the speak... Je sais pas si ça se dit comme ça... Spectateur... Please, entends mon MP, laisse-moi commenter ton combat, c'est rare de voir des inutrophes, s'il te plaît. Please, ne me laissez pas dans ma PLS, c'est rare de voir des inutrophes, j'ai pas envie de commenter des sacrures et des ossas, c'est trop long, mais c'est chiant. J'en ai marre de voir des sacrieurs et des ossas. Il y en a tous les combats. Toutes les tracks, c'est des sacrieurs, des écas ou des ossas. J'en ai marre. Je veux voir du Sadi, je veux voir de l'Innu, je veux voir du Feka, je veux voir du Panda. Je veux voir du Sadi. Je veux voir autre chose, je veux voir des Innis aussi. Ils sont où les autres? Y a pas que deux classes dans Dofus, putain. Il n'y en a pas que trois. Yup! Salut à tous, c'est Barcios et on se retrouve pour un combat PVP. Cette fois-ci, j'espère que c'est pas un combat qui se finira encore en deux tours, en genre 2 minutes chrono. C'est mon quatrième combat que j'essaie de commenter, j'ai même pas le temps d'allumer mon enregistreur que le combat est déjà fini, voilà. Je suis un peu en PLS et on va voir comment ça va se passer tout simplement. Donc d'un côté on a Elvis, crack, elle est vraiment bien optimisée. Oh lol, il lui a fait perdre 3 PA, on est qu'en 11-6. Il n'est pas optimisé du tout du coup en fait. Et lui c'est un Ninu qui est en, voyons voir, passe ton tour, en 12-7. On a des personnes optimisées. Oh, la roulette passe ton tour, ce qui fait plaisir. Maintenant comme la roulette est buggée, je ne sais pas vous dire si lui aussi passera son tour. Il a passé également son tour. Donc Ninu a l'air de pouvoir le gérer hein. Linu a vraiment l'air de pouvoir le gérer. Oh là là, il fait des coups de 400 avec sa Racine City. Bah là, prochain tour, s'il change pas, il peut mourir. Si bien sûr, il fait que des coups critiques. Oh là là, et en plus, il s'est débuff. Oh là 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 là, mais c'est ténu. Vous voyez, on en voit très rarement. Mais encore une fois, c'est la preuve que bah, une classe qui est très peu jouée peut venir à bout d'une classe qui est surjouée et qui pourtant... Est ultra pété. Donc non coup critique. Coup critique, avec coup critique et il les bat. Et non, ça passera pas. Du coup, il va certainement changer K-flip. Mais n'oublions pas, l'Inutrof a son debuff, sa pelle fantomatique, voilà, qui debuff entièrement quelqu'un. Donc sa chance des K-flip ne sert strictement à rien. Et bah, c'est la PLS, un Nunu qui aura tué en... Encore une fois, une vidéo de 2 minutes. Que dire de plus? Aujourd'hui c'est ma soirée, tous les combats durent en 2 minutes, top chrono, j'ai même pas le temps de filmer et de commenter. Voilà, que dire de plus? Bah du coup vous aurez certainement 3 combats pour le prix d'un, vu que les 3 combats durent 2 minutes à tout casser. Ouais, vous allez voir, il y aura de la surprise. Et voilà, un petit Nunu qui a battu un Eka. Je tiens à dire aussi que l'Inu était grade 1 et l'Eka grade 5. Voilà, donc la PLS. Bah tiens, on dirait qu'il s'est fait aggro par Betrayal. Encore un mec qui a fini un combat en 2 minutes. Contre un crack qui en plus était 199 et il l'a battu en même pas 3 minutes. Donc c'est un combat qui a l'air intéressant. Et on va rester en attendant que le combat se lance. Et j'espère qu'ils ne fermeront pas le combat aux spectateurs, parce que c'est un combat qui a l'air de promettre. Les deux ont l'air de très bien jouer leur classe. Et c'est agréable à voir du beau jeu. Voyons voir, rentrons dedans et c'est parti pour le deuxième combat. Donc cette fois-ci, Betrayal est en 13-10. Tout à l'heure, j'ai vu contre le Kras 199, pardon, il était en 12-11 ou 12-10, je ne sais plus. Et il a l'air de optimiser à fond ses PM justement contre les classes qui râlent les PM. C'est... Oh, il y a eu un bug d'affichage. D'un coup, ouais, Linu était là, il s'est retrouvé là. Voilà, c'est pas grave. Donc voyons voir comment cet Inutrof va gérer. En tout cas il a fait un bon combat juste avant. Après comme il... Voilà, comme Betrayal a l'air d'être opti de malade, pour être 13-10, il a peut-être un Vulbis. Ouais, il a peut-être un Vulbis. C'est pas sûr.
Mais ça ne m'étonnerait pas vu qu'il y a vraiment d'énormes riches qui usent ou qui échangent beaucoup de Kama de la 2.0 à ici. Donc voyons voir comment ça va se passer. En tout cas, je suis confiant pour ce match, ça a l'air d'être du bon jeu. Gardez-moi ça. Donc là, très bien joué de la part du Sacrieur. Il a fait une flamiche sur le sac, sur l'inutrophe pour l'enlever, avoir la chance de le tacler. S'est mis contre le sac et l'a attiré pour espérer le tacler et faire en sorte qu'il ne puisse pas s'échapper. Et au prochain tour, bah, justement, trouver un autre moyen de s'échapper. Mais l'inutrophe a taclé très facilement le Sacrieur. Du coup, comment cette fois-ci va-t-il gérer ? Il peut même se mettre ici, faire un détour, comme ça, ça l'emmerdera encore plus, il n'aura aucun moyen de s'échapper. Mais d'abord, il faudra qu'il tue le sac, je ne sais pas si il aura la possibilité de le tuer. Donc voyons voir comment il va gérer cette fois-ci. Ok, il préfère tuer le sac, peut-être qu'il va se mettre ici, il va faire un détour, et faire une attirance. Il a pile poil le nombre de PA suffisant, voyons voir s'il va tenter. Non, il préfère faire la punition à ce moins 636. Eh ben, j'avais même pas vu qu'il avait assez de PM. Eh ben, punaise, l'optimisation, ça joue beaucoup comme vous voyez. Il avait encore assez de PM pour faire tout le tour en étant ici. Donc voyons voir comment il va gérer. Prochain tour, il pourra peut-être faire un dérobade pour être au petit pupu encore une fois. Ouais, ça pupu, je l'ai vu dans le combat juste avant, il fait du 1100 et quelques. Donc dérobade, voyons voir comment il va gérer l'inutrophe. Aura-t-il sa corruption? Je ne pense pas. Non, il ne l'a pas, il va tenter de faire perdre des PA, mais ça ne sert pas à grand chose. Il aurait dû tenter la pelle fantomatique pour débuff sa dérobade et ensuite le bourriner. C'est dommage, il n'a pas été attentif. Du coup, il va se manger une deuxième punition opti qui risque de lui faire très mal. Attention, oh là 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 là, du 1002 à la pupu. Eh bien, s'il n'a pas sa corruption au prochain tour, il n'a quasiment aucune chance de revenir. Il peut faire corrup cac cac cac, peut-être qu'il va récupérer son sac, il pourra refaire cac 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 et il pourra gérer. Mais non, il décide justement de s'en aller plus loin, il récupérera sa coop pour certainement faire coop, attirance et lui faire des dégâts. L'inutrophe est très très mal en point, voyons voir comment il va gérer la suite. Mais le combat a l'air gagné d'avance pour le Sacrieur, il joue très très bien sa classe. Lui aussi, mis à part le fail qu'il a fait sur la dérobade, il est dans les combats que j'ai eu, il joue très bien sa classe. C'est dommage qu'il a fait ce misplay. Voyons voir comment il va gérer la suite. Il décide d'enlever sa portée, mais bon, il a tellement de PM que là, il a juste à se rapprocher un max. Genre ici, il fait coop. Vu qu'il ne peut pas se mettre ici, il fait coop, là. Il fait attirance. Il ne va pas le faire, il préfère faire un Marteau de Moon et le combat est plié. Voilà, il avait encore Marteau de Moon et certainement Boomerang perfide. Donc voilà, très bien joué à lui, graduite, il le mérite amplement. Betrayal, il joue extrêmement bien son Sacrieur. Ça fait plaisir à voir des gens qui jouent bien leur classe. J'en ai vu beaucoup au niveau 120, que ce soit des Ikaflip, des Sacrieurs et même plein de vidéos sur YouTube. Des gens qui ne savent pas jouer leur classe et qui gagnent en plus leur combat parce qu'ils jouent non seulement une classe no brain, soit parce qu'ils ont de la chatte, ou soit parce qu'ils ont un stuff totalement pété et parce que ce sont des bourges. Voilà. Donc voilà, c'était deux combats très intéressants. On a vu du bon jeu avec ce Sacrieur qui sait très bien jouer sa classe, mais qui malgré tout est ultra opti. Donc voilà, il sait bien jouer et en plus il a un stuff vraiment pété. Donc que faire? Je ne sais pas, il est revenu sur la map, mais bref. Je vous dis à la prochaine, c'était Barcios. Ciao tout le monde pour de nouvelles vidéos.